Et c'est à tous, on se retrouve pour la manche 7 du championnat 1997 de Formule 1 sur le circuit de Montréal, J9, où on va faire du coup la séance de qualification. Alors j'ai trouvé un réglage qui me semble peut-être pas mal, on va voir. C'est du coup, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, c'est beaucoup moins d'ailerons. Donc qui dit beaucoup moins d'ailerons dit normalement une vitesse de pointe plus élevée, et là sur le Canada c'est un circuit qui a pas trop de virages, donc on va essayer de voir ce que ça peut donner. Donc c'est lancé pour les qualifications. Je suis plutôt confiant cette fois-ci, je pense qu'on va pas forcément être dernier. Donc c'est parti pour la séance de qualification. Allez, c'est parti. Parti. Par contre, j'ai... Alors, pour préciser les réglages, j'ai plus d'aileron à l'arrière. Enfin, j'ai 0%. Mais j'ai conservé 15-20% d'aileron à l'avant pour que la voiture tourne un petit peu. Et quand j'y tourne un petit peu, c'est vraiment un petit peu dans le sens où la voiture, elle tourne quasiment pas. Vraiment... Il faut que je m'y prenne 2 ans à l'avance pour commencer à enchaîner le virage, sinon elle tourne pas. Donc c'est parti. Alors si je tourne en dessous des 1.17, je serais content. Vous avez vu le meilleur chrono tout à l'heure en 1.16.996. Normalement je pourrais faire mieux, mais ça va pas être facile. L'un des problèmes auxquels les pilotes doivent faire face est la visibilité. Leur visière se salisse vite en course. Bien sûr, quand il devient vraiment difficile de voir au travers, ils peuvent retirer l'une des feuilles transparentes détachables qui recouvrent la visière. Alors je remarque aussi que le premier tour de qualification, c'est pas là où la voiture est le mieux. Comme s'il y avait une usure des pneus au début, c'est un peu bizarre. Je sais que si on fait la vraie séance de qualification, en fait on a les pneus qui sont blancs. Il y a des petites étiquettes blanches qui s'effacent au fur et à mesure. Là c'est pas le cas, on a juste parce qu'on commence directement le tour. Donc c'est parti. Bon, le premier tour risque d'être assez catastrophique, mais on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Évidemment, c'est la pole position, mais je lui promets, on fait un tour. Là, j'ai mal enchaîné, du coup, je dois ralentir dans le virage, voilà. C'est le temps le plus rapide que nous ayons vu aujourd'hui sur ce... Bon, j'ai gagné une seconde 7 dans le premier secteur, donc c'est une bonne nouvelle. 21-8, c'est un secteur correct, hein, en premier. En tout cas, dans ce qui est mon meilleur chrono. Et là, j'ai loupé ma corde. Du coup, je vais perdre du temps. Il est en avance sur le leader au deuxième intermédiaire. Bon, j'ai encore une seconde 3 d'avance, donc on va retomber dans les temps en 1.17. C'est déjà pas mal. C'est un vétéran de la Formule 1 et cela se voit dans sa façon de conduire. Je me marque en 1.16.5. Ça commence bien. En 1.17.9. Alors maintenant on va essayer d'améliorer notre chrono. En fait, de glisser au tout début du virage dans le vibreur, ça me permet de mieux prendre le deuxième. Voyons combien il fait par rapport au... Du coup, je suis en avance pour Schumacher. C'est le temps le plus rapide que nous ayons vu aujourd'hui sur ce premier tronçon. Alors je sais pas si je suis en avance sur Schumacher ou si je suis en avance sur moi-même. Sur Schumacher normalement. Toutes les écuries ont abaissé le baquet des pilotes pour éviter que la turbulence due à leur casque réduise l'efficacité de la prise d'air moteur. Un autre avantage qu'elles espèrent constater est une meilleure tenue de route due à un centre de gravité plus bas. Voyons combien il fait par rapport au temps de qualification précédent. Il est en avance sur le leader au deuxième intermédiaire. Je suis en avance de 34 millièmes.
avoir une route, ça va être compliqué parce que la Ferrari est très rapide. Et j'ai raté ma sortie. J'ai raté ma sortie, je suis dans le gravier. Alors refaire un tour. Regardez ça. Les mécaniciens de l'équipe ont dû trouver les bons réglages pour cette séance. Bon, on va quand même essayer de faire mieux parce que j'ai raté la dernière chicane. Là, j'ai réussi à ne pas toucher les bras, mais je suis obligé de lâcher dans cette portion. Il figurera en bonne position sur la grille de départ. Bon, enfin, j'avais plus d'avance tout à l'heure. Et je m'étais un peu raté ici. Troisième vitesse. Il rétrograde en seconde. Eh non, je peux pas accélérer à fond ici. Donc, faut que je recommence. Quatrième. Cinquième. Sixième. En fait, c'est plus lent que son meilleur tour de qualification aujourd'hui. J'essaie de bien prendre un chicane qui est vraiment complexe hein, à prendre. On peut se dire qu'on peut la prendre à fond, mais en fait, non. Si on la prend en fond, on perd du temps largement plus que si on la prend bien. Enfin, bien. Plus serré possible. Pied au plancher, au maximum. Voilà, je peux ressortir là, c'est pas trop grave. Alors, j'avais 9 dixièmes de retard, j'avais une seconde de 7. Ok, jetons un œil sur les temps de qualification enregistrés jusqu'à présent. Les mécaniciens de l'équipe ont dû trouver les bons réglages pour cette séance. J'ai réussi à améliorer mon dernier secteur. Donc si j'aligne les 3, bah, je peux faire un temps correct. S'il parvient à garder cette allure, il figurera en bonne position sur la ligne de départ. J'ai un peu plus d'avance. Faut pas que je rattache les cadenas là. Il a fait un travail fantastique. C'est bon, j'accélère mieux. Il fait apparemment un excellent tour en ce moment. Il est en avance au deuxième intermédiaire. Je suis en avance 4 dixièmes sur le leader. On va voir. Allez, tout va jouer dans la chicane. Allez, c'est bien négocié, c'est pas le plus rapide, mais en tout cas, j'aurai une relance correcte. Oh oui! Il fait par rapport au temps de qualification précédent, cela le place très certainement en pole position. Oh là là, une 15-9! Incroyable! Bon, bah parfait! Je pense pas que je pourrais faire mieux, hein. J'ai aligné tous les tours, tous les partiels. On va faire fin de qualification, on va revenir à la configuration de la voiture histoire de voir la grille de départ. Eh ben c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Ah c'est beaucoup mieux qu'avant. Alors après, ce que je dis c'est spécifique à Montréal, hein. Il n'y a pas beaucoup de virages. Je pense que si on fait un circuit un peu plus classique, peut-être. J'avais pensé à l'Un Ring la dernière fois. L'Un Ring on risque de faire pareil. Par contre les circuits avec des chicanes comme Silverstone, etc. Ou même Manicourt, on pourra pas. Et j'ai vu le 7ème temps, bon, c'est pas mal, ils ont fait mieux, hein. 14-7, mais on est dans le top 10, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bon, bah, on va laisser le réglage comme ça, je pense que ça peut le faire. Allez, démarrer session. Ah, ça va être intéressant, bon, il faudra pas faire de bêtises par contre. Bienvenue au Grand Prix du Canada, ici à Montréal, sur le circuit Gilles Villeneuve, baptisé ainsi en hommage au grand pilote canadien. Vous ne croiriez jamais qu'ici, le circuit, situé près du bassin olympique d'Aviron et du fleuve Saint-Laurent, est réinstallé chaque année pour la course, exception faite, bien sûr, des rails de sécurité qui cernent la piste et protègent les imprudents. Les chicanes qui cassent les longues lignes droites rendent la course techniquement difficile, mais l'an dernier, en menant l'essentiel du Grand Prix, Damon Hill a réussi à nous faire croire le contraire en gardant la tête de la pole position pratiquement jusqu'au drapeau à damier. Les supporters canadiens ont dû se contenter de la deuxième place de leurs compatriotes. Bon, allez, c'est parti. Les pilotes occupent leur place sur la grille maintenant et se préparent au départ. Attention au départ d'ailleurs. Le feu rouge commence à s'allumer. Ils sont partis.
Il file vers le premier virage. Alors attention au premier virage, ouais. Un petit manque de concentration pendant une seconde, et voilà ce qu'il récolte. Il est en train de... Ouh là, c'est légèrement touché. Excellent. C'est encore touché, mais je garde ma position de départ. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, j'ai tout mis sur la vitesse de pointe. Donc, si je mets tout sur la vitesse de pointe, logiquement, je peux passer. Ah, je vais pas me gêner là. Pour l'instant, j'essaie d'entrer dans le top 6. On verra derrière ce que ça peut donner. Les deux Williams sont 5e et 4e. Ah, j'ai l'impression d'avoir de la vitesse pour une fois, regardez, ils reviennent pas vraiment. Allez, je tente l'intérieur. Oh, attention, sur une et William, c'est bon. Oh, regardez, j'arrive à distancer une William, c'est énorme. Alors, il me redistance derrière, mais 310 km/h avec l'aspiration. Et il y a de grandes chances qu'il n'y arrive pas. Qu'ils finissent par taper la voiture qui est devant ou même le rail de sécurité. Allez, ça peut passer à l'intérieur. Nous voilà dans le... Ça y est, il comble l'écart. Merveilleux. Ça le place en quatrième position. Et deux Ferrari en tête. C'est un vétéran de la Formule 1 et cela se voit dans sa façon de conduire. La meilleure pari ever quand même, hein, le coup des ailerons. Oh, à l'extérieur, je me cale juste devant au freinage, c'est bon ça. Sur le premier tronçon, cette manœuvre lui donne la troisième place. Et c'est... ouais, c'est la Benetton qui est passée du coup. Classement de la course. Enfin, c'est... je l'ai passé la Benetton, donc c'est vrai là, ouais. Mika Salo, Gerhard Berger. Alors, faut pas trop que je leur donne inspiration non plus. Bon, les Ferrari sont extrêmement rapides. Ils cèdent du terrain. Vraiment, je suis passé juste devant. Alors, est-ce que je peux remonter sur les Ferrari? Ça va être difficile quand même, parce qu'ils ont une énorme Vmax. Mais à voir si peut-être dans le premier secteur où j'ai tendance à gagner un peu de temps, ça peut le faire ou pas. J'ai oublié de relâcher un peu quand même. Ouais, je suis obligé de lâcher. Du coup, j'ai pas trop gagné de temps là. Attention derrière, s'ils reviennent pas non plus. Ah, vraiment, le pire secteur pour moi, c'est ici. Voilà, c'est bon. On est sur le podium, hein, quand même. C'est plutôt intéressant. La distance s'accroît. Ah, c'est vrai quand on passe la troisième. D'un coup, ça monte à vitesse. Regardez, bloup. Ah, par contre, devant, ils me mettent avant. Hein. 5 dixièmes de repris déjà. Ah, je recolle un peu dans le secteur. Ah, c'est là, hein. Il faut vraiment enchaîner. Le virage comme il faut. La bonne accélération, parfait. Je pense que j'ai pas trop perdu de temps cette fois-ci. Alors pour revenir sur Orven, ça va être difficile. Ah, j'ai pas pu accélérer à fond parce que sinon j'allais dans l'herbe. J'ai du terrain, mais c'est pas mal quand même. J'arrive à pas trop perdre de temps. Je pense que là je vais passer à une 2 secondes 5, peut-être 2 secondes 4.
Eh non, tout à l'heure j'étais à 2 secondes 4, là je suis 1 seconde 9. Donc j'ai repris du temps. Non, c'est loin de la William, ça c'est la bonne nouvelle. À ce stade de la course, nous sommes à mi-parcours. Il tourne plus vite que la voiture qu'il a pris en chasse. Classement de la course. Et après, la chicane n'est pas facile non plus. Hein. Eddie Irvine, Mika Salo, Hans-Harald Frenzen. J'ai oublié de lâcher. J'ai toujours pas réussi à trop bien la prendre, cette chicane, pour le moment. Parce que si on arrive à prendre à fond, je gagne 10 à 20 km/h dans le virage. C'est la troisième année que Mika Salo passe chez Tyrell. C'est un excellent pilote qui mérite vraiment une chance. Là, je l'ai bien pris aussi. On a mis course. Il recule un peu. Alors, la moindre erreur est tout à refaire. Hein. Mais j'ai regagné 3 dixièmes encore. Quand j'aurai assez d'avance. Enfin, bon, assez de. Quand j'aurai comblé mon retard, j'aurai l'aspiration aussi, donc. J'ai pu le prendre à fond. Il remonte, c'est sûr. Bon, j'ai perdu un peu de temps là dans l'herbe. Oh, quand j'arrive à me caler derrière lui. Oh là, j'arrive à remonter la Ferrari, mais c'est incroyable. Bon, je raccélère mieux. Yes! Oh, la deuxième place. Remarquable, il prend la deuxième place. C'est un excellent deuxième temps intermédiaire, il va plus vite que le leader de la course. Allez, maintenant c'est Schumacher devant, alors ça va être compliqué quand même, hein. Faut pas non plus exagérer. Mais vu qu'on a réussi à rattraper Irvine, pourquoi pas. Il faudra faire un sans faute, hein. Vraiment un sans faute. Il soumet sa boîte de vitesse à dure épreuve. Là, j'ai pris un poil de temps en allant sur le gravier. Oh, l'écart avec Schumacher qui est de 1 seconde 2. Je suis dans un bon rythme là. J'ai pu le prendre à fond, je vais perdre un peu de temps mais je vais reprendre là. Ça joue à tellement pas grand chose. Il précède le temps du leader au deuxième intermédiaire. Une seconde 171. J'ai quasiment perdu aucun dixième cette fois-ci dans le secteur. Ce qui est très très rare en fait dans la course. Normalement je perds toujours du temps. Dès qu'il franchit la ligne, il ne lui reste que 3 tours à faire. Il tourne plus vite que la voiture qu'il a pris en chasse. Il réduit l'écart. Ah, j'ai raté ma sortie. Malheureusement. Je suis monté descendu jusqu'à 0,3 secondes. Là, il va me reprendre plein de temps. Ouf, je donne tout ce que j'ai, hein, vraiment là. Je sais pas comment je peux aller plus vite. La distance s'accroît. Il
Il va bientôt rester deux tours. Là, il m'a mis un vent en ligne droite. Ouais, je pense qu'on retombe à 1 seconde 3, 1 seconde 4. Nous sommes seconde dans 6. Et il a repris de rythme, Yava est en train de revenir. Ah, j'ai encore raté la sortie. Ouh, ça devient compliqué là. Ça devient compliqué. On va y être en train de revenir de plus en plus. Il recule un peu. Ouais, 2 secondes 2. Là par contre, je tiens pas trop le rythme. Il va rester un tour à faire. Nous sommes dans le dernier tour. Schumacher, là, il s'est sorti les doigts. J'ai même pas réussi à lui reprendre un dixième ou deux dans le dernier secteur. Il cède du terrain. Ouais, même dans le dernier secteur, dans le premier secteur, j'ai perdu du temps. Classement de la course, Michael Schumacher, Mika Salo, Eddie Irvine, Hans-Harald Frentzen. Ah, je pense que je reprends un peu de temps dans le secteur là, mais bon, ça va être trop tard. Hein. Vraiment, là, je vais pas avoir assez de temps. Il se trouve juste derrière lui maintenant. J'ai regagné un dixième dans le secteur où j'en perds normalement, c'est le monde à l'envers. Bon bah victoire Schumacher. C'est une victoire pour Michael Schumacher. Le résultat de Ferrari... Une 15-6, comment dire. Je crois que je me suis jamais autant... Je vais autant aller vite. Bon bah deuxième place. Franchement, super bon résultat. Super bon résultat. Bon, en essai, j'avais vu que j'étais pas mal. Hein, donc je savais déjà que ça allait être mieux que d'habitude. Mais honnêtement, en deuxième, je pensais pas pouvoir attraper les Ferrari, même doubler Irvine. Et en plus, on a le meilleur tour en course. Donc ça, c'est pas mal. Alors du coup, Schumacher, Salo, Irvine, Frentzen, allez-y, Berger. On remonte du coup, troisième ex aequo, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Ce qui fait qu'on a remarqué des points. Donc en Australie, à Monaco, au Canada. Un peu inattendu. Par contre, la suite, je pense que les prochains Grands Prix vont pas être trop être compliqués. On va voir quand même hein, ce qu'on peut faire. Mais là, le coup des ailerons très bas, ça va être un peu plus difficile. Alors, je vais peut-être tenter de les mettre au plus bas possible hein, pour gagner à chaque fois un peu de vitesse. À voir ce que ça peut donner. Mais bon, ça, on le verra à la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la suite. Alors, je vais même pas regarder en plus le championnat constructeur. On est quatrième, on est bien casé quatrième par contre. Hein, Jordan McLaren, je pense qu'il y a encore de la marge avant qu'il nous rattrape. Mais bon, on sait jamais. Parce qu'on n'est même pas encore à la mi-saison. Et du coup, bah, la prochaine course aura lieu au Grand Prix de France. On verra ce que ça donnera. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Ciao tout le monde!